Tout suite après la messe là, tu as deux conférenciers, Linda Métayer et Marie-Laurence Jocelyn Lasseg, qui te prennent la parole pour moi des jeunes yo comprendre l'importance, valeur yo gagner la caillou et conserver yo dans quelque soit circonstance là, quel que soit pays y a bien pour y aller vivre là. Madame Métayer te prend comme exemple ancien président sud-africain défunt Nelson Mandela et Mahatma Gandhi en Inde, deux moun sa yo li di ki pa tap travay pou pòp tèt yo, men nan entere pèp yo. Sou bo pali madame Lasseg ki tap kesyone jen ki te prezan yo sou pozisyon yo fas ak si la yo ki nan bezwen, prezize jen yo ap manke sou fwa yo gen nan bon Dieu si yo meprize prochen yo kap viv mouve la vi. Youn apre lot, Linda Métayer ak Marie-Laurence Jocelyn Lasseg. Et Jésus se moquait de ce qu'on disait. Il se moquait des qu'en dira-t-on, parce qu'il avait sa conviction, il avait ses valeurs. Il était venu pour sauver l'homme. Il était venu pour les malades. Ensuite, il y a cette femme du Nouveau Testament, Marie-Madeleine, la femme adultère. Le cas de Marie-Madeleine, c'est cette femme qui devait être lapidée. Elle devait mourir parce que elle a été adultère. Et on l'a conduite, elle a été attrapée, on l'a conduite auprès de Jésus. Et Jésus était devant ce dilemme que vous aurez à voir un peu dans la vie, dans la philosophie, on parle beaucoup de dilemmes. Ou bien il dit que Marie-Madeleine est fautive, non, qui nous a laissé. Ça, c'est une valeur. Ces valeurs, à qui, peut-être dans sa famille, peut-être dans sa foi, qui sait, il les a gardées au lieu de, à sa sortie de prison, de demander d'accuser ses bourreaux, de dire aujourd'hui, moi, je suis dehors, maintenant, à vous la prison. Il a préféré pardonner au point qu'il est devenu président. Et il est parti avec cet honneur. Cet héritage qu'il nous a laissé. Le sens du pardon. Il y a aussi Mahatma Alpha Gandhi, dont tout le monde sait, peut-être vous ne faites pas trop attention, mais c'est l'un des grands. Lui aussi en Inde, il s'est battu pour le droit des tout petits, des plus pauvres. Il avait sa conviction, on a essayé de lâcher aussi. Il n'a pas voulu, il a été loin avec sa conviction, avec ses valeurs. Il les a eues. Il est mort, mais il est resté dans notre mémoire collective comme quelqu'un de grand. Pourquoi? Parce qu'il avait cette humanité. Les neurones miroirs que nous possédons savent reconnaître tout ça. On a eu un autre grand dans l'Église, c'est le pape Jean XXIII, bientôt qui sera canonisé. Pourquoi est-ce qu'il est grand, le pape Jean XXIII? Il a décidé de révolutionner l'Église. Avant, on avait une Église fermée. Un bon jour, en réunion avec le cardinal, il s'est levé, il a ouvert les fenêtres, il a dit, voilà l'église que je veux. Je veux une église ouverte, ouverte sur le monde. Et depuis, et il est venu avec le Concile Vatican II. Et j'en dirai un mot sur son encyclique. Et cette foi qui est la vôtre, c'est dans cette place que vous avez un tournant particulier qui vous permet d'en parler. Et ce sont ces dialogues, ce sont ces échanges qui vont déboucher sur votre vie. Et là encore, j'ai l'impression qu'on est très complémentaires. Donc il y a des choses que je ne vais pas redire, mais c'est vrai que souvent, je rappellerai ce qu'a dit ma voisine. Parce qu'au départ, vous avez la foi, c'est évident, vous avez la foi, vous croyez en Dieu. Mais qu'est-ce que avoir la foi? C'est justement savoir que là-haut, quelque part, il y a ce Dieu, il y a son Fils, Christ, qui vous dit, surtout à vous, jeunes, qui bientôt, comme l'a dit Linda, aurez à aller à l'université et que ce soit ici en Haïti, à la faculté des sciences humaines, en médecine, à l'école des infirmières, peu importe, ou bien encore à aller à l'extérieur pour embrasser la carrière qui sera la vôtre.